député nous aimer bien ma foutu moi été député même pas on est son ouais ou même ah député nous en feu je dire ouais le député j'en ai bien pour le cas Jenny dans Jenny exactement yes. Avec monsieur Franz Benjamin. À ce moment-là, Jen and Jen Show, donc pile bas. Oui, bien sûr. Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Chopin, 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 tout. Cap garder nous et assoyant comme moi-même avec jumelle moi mais dis-nous pratiquement vraiment jumelle parce que nous pareil je dis en dire assoyant c'est jumelle identique identique avant à cause que bon jumelle ou ça toujours à changer cheveux oui ça même assoyant look ça me développe pas parce que mon m'a recevoir son bagage no no joy tout ça c'est slogan émission comprendre donc pas à n'importe qui genre. Nous beaucoup qu'une chaîne invitée ensemble avec nous. You grand personnalité publique dans communauté québécoise non, dans communauté haïtienne non, soit haïtien natif natal. Même genre ensemble avec nous qui a fait bon bagage dans communauté. Il était posé candidature pour député. Alors haïtien Montréal dit dans compte vieux que c'est lui-même qui voulait et il arrivé vienne député. Qu'on y a la main sous plateau Jenn Show ensemble avec nous pour venir parler nous. De qui ça l'a fait pour nous à Essena Montréal. Alors, c'est M. Franz Benjamin que je salue à l'instant. Bonsoir, M. Franz. Bonsoir, Diane. Bienvenue dans Diane. Voilà. Alors, c'est un plaisir pour moi, pour ma Benoît Soël. Je salue tout le monde qui a regardé l'émission. Donc, quitte le matin, quitte le soir, parce que nous connaissons l'émission pour aller rouler en pile sur le net, là, sur les réseaux sociaux. Et je salue tout le réalisateur, producteur de l'émission, c'est original, qui a fait un travail extraordinaire. Et puis son plaisir pour moi, on va passer un bon moment ensemble. Très bon moment. Et nous connaissons, avant de commencer l'émission, toujours bah, une mention spéciale à tout haïtien qui est tout côté à travers le monde, qui veut dire que ou ici dans Montréal, Canada, que aux États-Unis, shout out, one love, à tout haïtien qui est Haïti, que au Chili, Saint-Domingue, continuez à garder chaud, continuez à encourager chaud, pas oublier à l'abonner, à le subscribe. Bon petit cloche en l'air, et puis cliquez sur lui, nous avons tout bon bagage Jen and Jen Show. Effectivement, Jen dit tout bagage, il n'y a pas besoin de faire ça, qu'on répète, parce que depuis le palais, c'est pour moi le palais, parce que c'est deux jumelles qui sont là. Alors, M. Franz, encore une fois, je vous dis bienvenue dans Jen and Jen Show. Merci le fait que vous avez accepté l'invitation, bien que nous connaissons les horaires très très chargés. Mais ou fait effort quand même ou venir ou là alors vraiment ça. Merci. Son plaisir pour moi et puis donc merci pour le travail que nous avons fait. Merci. Nous fait effort. Alors moi-même t'as mais qu'on est parce que comme on l'a aujourd'hui, nous parlons pas les deux en pile d'again mais premièrement moi t'as aimé France pour dix publics là qui est souillé et qui côté ou sorti et depuis qui le que ou à vivre dans la cour Montréal. Qui bon me sorti Haïti. Haïti, je suis natif natal, je fait en Haïti et me quitte en Haïti quand même assez jeune et me dévive aux États-Unis avec parents, papa, maman, frère, soeur. Donc et puis ensuite nous venons immigrer ici au Canada. Donc c'est au Canada que me vie fini études secondaires moi, que me fait études collégiales moi et puis me fait et deux ou trois études universitaires tout. Donc et par la suite j'ai commencé le travail dans le gouvernement du Québec. Je travaille dans le gouvernement du Québec pendant à peu près une douzaine d'années. Mais parallèlement à travail moi au gouvernement du Québec, j'étais toujours engagé comme jeune citoyen. Donc déjà très jeune avec d'autres jeunes de la communauté haïtienne, avec d'autres jeunes d'autres communautés, j'étais engagé socialement. Donc pour sur les questions jeunesse par exemple, sur les questions relatives à la diversité, sur les questions relatives à la discrimination. C'est des enjeux qui étaient importants pour nous comme jeunes. Donc, nous avons milité dans plusieurs groupes jeunes à Montréal au cours des dernières années. Et ensuite, en 1998, c'est la première fois que j'ai été élu. C'est que j'ai été élu au niveau scolaire, donc comme commissaire scolaire. Et donc, j'ai fait trois mandats. Et moi, j'ai été élu trois fois comme élu scolaire à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Pointe-de-l'Île, oui, j'ai été voilà. Côté que je travaille sur des dossiers quand même importants,
et notamment la question de l'éducation des adultes, la question de formation professionnelle. Et, par exemple, dans la commission scolaire Pointe de Lille, on a plusieurs commissions scolaires, mon programme qui est le PELO, PELO créole, par exemple, pour permettre aux séries de petits haïtiens apprendre créole, par exemple, apprendre culture, apprendre histoire, apprendre langue. Donc, c'est des projets que nous travaillons sur tout. Waouh, waouh, mais est-ce que c'était ton bagage? Est-ce que le programme PELO, est-ce que c'est pendant que vous venez rentrer dans la commission scolaire, là, que vous venez créer ou bien il était créé avant? Il était créé avant. Okay. Son programme qui était créé avant, mais nous avons toujours une difficulté pour faire famille haïtienne, parents haïtiens, embrasser PELO créole. Par exemple, pour jouer un pile timon italien, prend couper le italien. Un pile latino-américain, prend couper le espagnol. Un pile arabe, prend couper le arabe. Mais nous avons même des situations côté par exemple, des haïtiens ou des haïtiens qui apprennent à couper l'espagnol. Wow. Ou des haïtiens qui apprennent à couper l'italien. Amen. Donc, il a fallu faire beaucoup de sensibilisation et ce n'est pas fini parce que c'est encore un enjeu jusqu'à présent. C'est encore un enjeu jusqu'à présent quand on rejoint un pile de timoun qui se tient dans votre communauté haïtienne. Là. Amen. C'est des timoun qui fêtent ici ou bien qui viennent ici jeunes. Okay. Et puis, timoun yo, ils n'ont pas maîtrisé la culture, pas maîtrisé l'histoire, pas maîtrisé la langue. Or, ça, sont la lacunes. Voilà, absolument. Or, toute recherche démontrait que plus on timoun qu'on langue, plus on timoun qu'on histoire, qu'on identité, c'est mieux les réussir l'école. Wow. Ça, c'est, donc, vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, alors, c'est un enjeu donc, que nous travaillons sur lui avec d'autres groupes. Et par la suite, nous devons co-présider en 2003 un groupe qui est le premier groupe de travail à Montréal sur le profilage racial. Son thématique que l'on connaît encore aujourd'hui. Exactement. Il a parlé de lui. Mais le premier groupe de travail, ça, c'est moi-même qui étais co-président en 2003 et avec un professeur qui est le Mona Lachley. C'est le professeur au John Abbott College. Okay. Et, ça te permet que nous aboutissions sur plusieurs résultats intéressants. Mm-hmm. Mais question enjeu de discrimination, racisme, profilage racial, ce n'est pas des enjeux qui sont capables de disparaître totalement. Non. C'est des enjeux toujours là. D'où l'importance, il faut qu'il y ait un acteur qui est vigilant, qui combat, qui gourmet contre ça. Et je dis à me profiter de saluer tout acteur, je dis à, dans Montréal, qui est engagé, qui travaille, qui a milité. Qui a fait un bel job. Qui a fait un bel job dans lutter contre le profilage racial, oui, dans lutter contre la discrimination. Ça, c'est très important. Oui. Très, très important. Donc voilà, donc, et puis ensuite, nous venons sur scène municipale, côté moi élu trois fois. Comme conseiller municipal d'eau. Mm-hmm. Donc, oui, ça nous sur ça. Voilà, et de 2013 à 2017, j'ai eu l'opportunité pour me présider le conseil municipal de Montréal. Et par la suite, évidemment, et depuis maintenant presque deux mois, donc, ma magie comme député, circonscription de Vieux. Il faut me rappeler que parallèlement à tout ça, me dit là comme parcours professionnel et politique, moi, j'ai eu une passion qui ne va jamais quitter moi. Et, La poésie. Les... ça nous connaît. Il faut me rappeler, parce que moi, c'est un travail qui est important. Parce que, en pile, notre travail que je fais au niveau politique, moi, marié poésie, marié culture avec. En pile, il faut me dire qu'à penser que leur poète ou bien leur peintre, son bagage est désincarné. Mais ça, nous oublions, c'est qu'on est capable de servir avec culture pour faire intégration sociale. On est capable de servir avec culture pour faire développement économique. Et puis, bon, plus tard, on a bien chance de retourner sur ça. Oui, d'accord. En tout cas, merci pour l'explication. C'est vraiment un parcours qui est vraiment extraordinaire. Et puis, on fait un peu le chemin. Et le chemin, ça, on fait au public, là, toujours, vle, au public, là, toujours. Après, c'est ce qu'on fait, sinon, on ne peut pas réélu, réélu. Mais maintenant, on parle un petit peu comment la campagne a été déroulée. Et puis, l'autre est vite senti que, bon, je vais gagner la course là, je vais débuter là, dans le vieux ou le pointage là, vraiment marqué que. Ou pas une victoire là, quelle réaction? Ben, en fait, faut commencer avant, il y a deux semaines, on t'ai fait premier discours dans l'Assemblée nationale. Okay. Et dans le premier discours dans l'Assemblée nationale, premier mot de remerciement, c'est à mon vieux que je t'ai adressé, c'est à des monde qui m'a quitté Saint-Michel. Et je veux dire, encore, m'a profité probablement de quelques-uns dans pile là, qui t'a regardé. Moi-même, Kadili, grandi Saint-Michel. Bon, formidable. Pendant, m'a raconté pendant la première année, alors Saint-Michel. Souken. That's it. Alors, je remercie tout le monde Saint-Michel qui a regardé l'émission. Je commence à continuer à remercier nous pour appuyer nous. C'est ton appui qui était très fort, qui était très ferme. Tout. Et dans ce sens, je dis merci pour ça, je suis très reconnaissant. Et deuxième groupe de monde que je remercie dans le discours de l'Assemblée nationale, c'est vraiment tout le monde qui a habitué, qui a accompagné depuis les dernières années. Depuis au moins 20 dernières années que je suis sur la scène publique.
Okay. Moi, j'ai un dicton que j'aime répéter souvent qui dit nul n'est une île. Pas grand monde qui sont île pour contre. C'est-à-dire que tout son monde réalise dans la vie, pas réalisé pour contre. Ou besoin pour des monde autour de vous, ou besoin pour des monde qui accompagne ou qui marche ensemble avec vous. Et moi-même, moi, privilégié, c'est que non seulement j'ai des monde qui sont des vrais amis, et ça m'entend pas des vrais amis, hein, c'est pas des monde qui toujours dit ça me l'étendait. C'est des monde, des fois. Même les mouvelés pour route, et puis route ça, c'est pas tout à fait bon route là. Les cadeaux n'est pas bon. Qui dit limite pour après en France. C'est ça, mon vrai ami. Mon vrai ami, c'est pas un monde qui toujours au besoin, qui toujours dit ça pour t'aider, mais c'est un monde qui vraiment, qui a confiance dans vous, mais en même temps, qui l'a pour le supporter, mais qui l'a pour le rappeler à l'autre. Oui. Donc, alors, justement, deuxième mot de remerciement, c'était pour tout le monde ça. J'ai eu chance dans l'équipe, moi, compter sur un pile bénévole. Et de la communauté haïtienne, des communautés maghrébines, des communautés asiatiques, des communautés latino-américaines, de la communauté italienne, des Québécois et Québécois de souche. Donc, tout le monde, c'est des mounio qui c'est des amis de longue date que, qui comptent travailler, qui ouais ça me fait dans Saint-Michel au cours des dernières années, et qui disent, d'ailleurs, c'est plusieurs dans le monde, qui dit, le David Hortel dit la partie comme député, c'est plusieurs dans le monde qui disent, France, on aimerait te voir là. Wow. Parce que Mounsayo était ouais travail que m'était réalisé. Donc alors Mounsayo, mot de remerciement aller à yo. Et troisième groupe monde évidemment que me pas oublier, que me grand devoir impérieux que me pas oublier, évidemment, c'est des monde et c'est papa maman malgré maman me parle encore. Et voilà. Malgré maman me parle encore, et mais à son âme. Merci beaucoup. Mais jodia et moi gagne une reconnaissance éternelle envers maman. Qui c'est, nous toujours dire, c'est la femme de ma vie, et envers papa, qui t'est et qui sait, y a un très bon papa. C'est-à-dire, y a un papa présent, y a un papa modèle, y a un papa qui t'a encouragé toute petite Lio, fait ça qui est bien, lui était notre chemin droit pour nous arriver, y a une femme ou bien un garçon, dans la route nous que nous tracer, peut-être. Wow. Vraiment, et moi, content que ça, ou ça parler là, là, parler de papa, parce que souvent, moi toujours gain l'impression que bon papa est pas présent mais papa est resté dans l'ombre. Alors moi apprécier le fait que on met ton précision sur le fait que papa était présent. Et est-ce que ou même comme si qualité que papa ou comme si gagné, est-ce que ou même appliqué, parce que nous connaît que ou son papa, est-ce que c'est même qualité ça yo que ou puiser dans papa et puis que ou transmettre pour petit tout. En tout cas, m'a essayé. En tout cas, on est capable de m'a essayé, mais on a pas bagage qui c'était pour moi, toujours dit dans tout titre que me joigne dans vie moi jusqu'à présent, titre que me préférais c'est papa. Donc c'est titre ça me préféré. Et moi j'ai deux petites filles et pour moi deux petites filles yo passé avant toute bagage. Toute bagage. Avant tout monde. Donc pour moi c'est son bagage très important. Donc c'est papa, pour me retourner sur papa, son monde, c'est ton travailleur, c'est ton nègre. Ma, c'est pas un nègre, il y a encore un nègre, parce que le président. Non, papa, c'est un monde vraiment, et son équipe ponctuelle, et son nègre qui doit assumer les responsabilités comme papa, et qui est présent comme papa. Oui, donc, d'ailleurs, mais jusqu'à présent, des fois, si je me bats les hommes, il y a un mètre battant sur moi. Juste aïe, aïe, aïe. En tout cas, il faut bien parler, Bon, avant que nous continuions plus dans la question que nous avons pour Assoya, d'ailleurs, mais qu'on est pour qui ça c'est carrière politicien que vous choisissez parmi toute carrière qui gagne docteur, gagne avocat, gagne tant d'autres, mais c'est politique que vous choisissez. En fait, pour bien sûr, moi pas choisi politique, mais plus parce que c'est politique qui choisit. Qui choisit. Parce que moi j'étais en vie professionnelle très correct au gouvernement du Québec, permanent pour mon travail, des responsables de l'enseignement de pour trois régions, pour Laval, Laurentides, la Naudière. Wow. Donc ça allait très bien dans ma vie. Et mais comme moi jour, j'étais toujours engagé publiquement. Et j'étais toujours engagé publiquement, socialement avec des jeunes dans la communauté, avec d'autres communautés tout, avec d'autres jeunes québécoises et québécois aussi. Donc, première fois, par exemple, que ma candidat, c'est suite à un événement. Donc, nous avons constaté une sous-représentation des personnes issues des minorités visibles
dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de décision. Mm-hmm. Alors, comme il y a une élection scolaire qui t'a approché, groupe ça, collectif ça, que nous demandons de lui, je te dis que je demandais, mais est-ce que nous prêts pour mal dans l'élection scolaire? Wow. Donc, c'est comme ça que m'a terminé dans l'élection scolaire. Sur la scène municipale, c'est un maire, c'était un des maires de Montréal, et qui m'a vu travailler, qui m'a vu intervenir sur la place publique, sur ces enjeux importants, qui t'a invité, c'est pas moi-même qui t'a apporté le mal, pas du tout. Wow. Donc, qui t'a invité, qui t'a demandé pour me candidat donc, aux élections municipales. En première fois, j'ai demandé de me faire un candidat en première fois, j'avais dit non. J'ai dit non parce qu'à l'époque, justement, je venais d'être papa. Donc, wow. pour une deuxième fois, et puis, j'ai considéré que priorité à cette petite fille, ouais. Donc, et puis, j'ai décliné l'offre. Et puis, 4 ans plus tard, le même maire, Gérald Tremblay, pour ne pas le nommer, il retourna avec le même offre encore, il invitait encore comme candidat, et puis, bon, cette fois-ci, à ce moment-là, j'ai accepté. Donc, voilà. Donc, histoire avec politique, ça veut dire que pas vraiment. Vraiment bon plan de carrière politique, absolument c'est pas. C'est vrai, les vins chercher. Parce que automatiquement, tout le monde l'observe. Il voit comment il est, l'observe, il dit que monsieur, monsieur qui a fait tel bagage. Et puis, des fois, le monde lui fait genre de geste ça, ou vite chercher. Qui j'en sens le genre de approche ça arrive sur moi-même. Justement, tu as parlé de la femme de ma vie tout à l'heure, qui c'est maman, qui était toujours apprendre nous, et moi-même en particulier, elle était toujours dit nous, peu importe ça qui arrivait nous dans la vie, c'est pour nous apprendre toujours été pieds nous, les deux pieds sur terre. Okay. Et tout, peu importe ça qui belle bagaille qui arrive dans la vie. Et il y a un bagaille, le plus grand discours politique que nous entendons dans la vie, c'est maman qui m'a mené. Qui rappelait nous, qui rappelait la première fois que j'ai lu, trois bagages essentiels que lui-même avec papa, il y a nous. Il y a nous éducation, il y a nous fierté, il y a nous honnêteté. Et maman m'a toujours dit, France, malheur à vous, si on joue, ou pas qu'elle garde n'importe qui monde, peu importe côtoyer, doit manger. Donc c'est-à-dire que, pas comme vous comprenez, rester deux pieds sous terre, et garde n'importe qui monde doit manger. Faire fort droit. Absolument. Donc il veut dire dans ce sens ça, tout ça qui vient dans la vie, qui est belle, et nous prend avec humilité, nous dit merci mon Dieu. Oui, oui. Mais nous dit, c'est en façon tout son témoignage pour nous continuer de travailler plus fort, pour nous travailler mieux, parce que l'objectif n'est pas fini, pour nous faire plus effort, pour nous continuer mieux servir le monde au meilleur de nos compétences. Au meilleur de nos capacités. Effectivement. Moi-même, tu as retourné sur ça que, comme tu as dit, tu as qui est très intéressant. Est-ce que vous pensez actuellement communauté visible, qui veut dire que c'est haïtien, que c'est africain, bon, est-ce que vous pensez que, bon, surtout pour nous-mêmes haïtiens, est-ce que vous sentez que nous sous-représentés? Non, au point de vue politiquement, parlant au Québec, et qui ça vous pensez qui t'a qu'à aider jeune haïtien comme ça qui t'a aimé entreprendre un cheminement politique là, qui conseille ou t'a qu'à bailler? Bon, oui, je pense que nous sommes représentés. Regardez par exemple, population noire, regardez des populations minorités visibles, qui vivent Montréal, qui vivent au Québec ou bien au Canada. Donc, constat, son constat qui est unanime sur la question de sous-représentation. Et l'un des sous-représentations, presque tout échelon, oui. Que ce soit par exemple, surtout palier, tout. Mais question de représentation. Dans des compagnies, voilà. Ça, question de représentation, pas seulement au niveau des élus. Si on limite seulement à la question des élus, on va dire, ah, ben, élus scolaires, élus municipaux, députés fédéraux, provinciaux. C'est pas seulement ça. Question de représentation, tout. L'inan, question conseil d'administration. Entreprise, il n'a pas cette administration, voilà. Société d'État. C'est ça que nous avons. C'est clair. Mais meilleure façon, meilleur antidote pour nous régler ça, bien sûr, il faut que l'État continue à faire plus d'efforts. Il faut que l'appareil politique vienne plus ouvert. Mais nous-mêmes, tout, nous avons des responsabilités. Il y a une responsabilité, nous avons tout. Je dis à moi-même personnellement, moi intéressé à regarder est-ce qu'il y a plus de jeunes qui sont formés. Parce que je dis à l'enjeu de la formation, de l'éducation,
est très important. Ouais. Je dis, par exemple, le nouveau communauté, nous avons un taux de qualification qui est plus bas que les moyennes québécoises, ce n'est pas un bon objectif qu'il y ait. Ouais. Et c'est ça que, par exemple, moi-même, depuis plusieurs années, j'ai été impliqué, notamment à l'intérieur d'un fonds, qui est le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. D'accord, parlons de ça, parce que ça, c'est un fonds que vous créez pendant que vous êtes dans point de l'île. Non? En fait, la retourner sur l'Italie, parce que ce sont des enjeux très, très importants pour vous. Mais nous avons un enjeu qui est sur qualification. Nous avons un enjeu tout de, ça veut dire en anglais, role model. Yeah, donc, role model. Parce que, modèle, il y a plusieurs modèles. Nous avons un pile élu. Par exemple, moi, au cours des dernières années, je me découvris un pile de monde qui travaille comme attaché politique, comme directeur de cabinet. Et c'est ça que, par exemple, il y a une initiative que je travaille sur actuellement, son initiative pour permettre, nous, pour mettre en place une plateforme qui peut permettre, par exemple, je dis, s'il y a des jeunes qui disent que nous-mêmes, t'as intéressé, par exemple, une candidat. Mais c'est pour moi qu'on a improvisé être candidat. Voilà. Son bagage qu'on préparait. On préparait, on sort au café. Exactement. Donc, l'île là qu'on divorce avec question improvisation. Donc, l'île là qu'on commençait à préparer des mondes, pour nous préparer des mondes qui prêts pour siéger sur le conseil d'administration. Parce que là, on voulait siéger sur le conseil d'administration. Est-ce qu'on compte Code Morin, par exemple? Si on compte Code Morin, on voulait son conseil d'administration, par exemple, qui est régi par le Code Morin, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y aura obligé de payer une formation pour vous. Mais si on compte Code Morin préalablement, vous êtes arrivé beaucoup mieux préparé. Est-ce qu'on soit administrateur agréé? Par exemple, il y a des écoles qui ont formé administrateur. Mon qui pour siéger sur le conseil d'administration. Donc il me dit, c'est bien beau de dire conseil que vous avez plein de dire conseil, mais il faut préparer. Donc pour moi, je crois que c'est un jeu de qualification, un jeu de compétence qui est important. Et je crois que je dis, comme communauté, il faut nous dire il est grand temps qu'on se dise les vraies affaires, les bonnes choses. Et moi-même, personnellement, mon qui connaît, tu connais que je dis, mon bagaille, j'aime passer, j'aime courir. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, Franz, d'ailleurs, me connais, parce que la question, ça a été très important pour me demander, parce que pendant la politique, là, on choisit pour aller dans le provincial au lieu que on choisit fédéral. Pour qui ça? En fait, j'en ai dit tout à l'heure, pour moi, je n'ai pas l'impression souvent que je choisis, parce que je n'ai pas planifié, je n'ai pas une carrière politique qui planifiée. Donc, moi-même, toute trajectoire, moi, son trajectoire d'engagement, son trajectoire de service aux citoyens, il est arrivé que d'Envio, l'ancien député a décidé de ranger son tablier, si nous avons parlé comme ça. Donc, alors, il a décidé de suspendre sa vie. Et à ce moment-là, il y a eu des gens d'Envio qui m'ont demandé de faire le saut, et à l'invitation aussi du Parti libéral du Québec. Donc, j'ai accepté d'aller servir sur la scène provinciale. Mais c'est sûr que, pour moi, donc, en novembre 2017, j'étais élu conseiller municipal. Donc, je me voyais pour les 4 prochaines années comme conseiller municipal. Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle les hasards de la vie. Okay. Mais c'est un bel hasard quand même. Oui. un bel hasard. Et moi, je connais que tu es conseiller municipal de 2013 à 2017. Est-ce qu'on peut parler de réalisation que tu fais pendant le mandat ça? Alors, j'aime ça dire d'aller à nul n'est une île. C'est réalisation, mais c'est réalisation tout ton équipe. Okay. Et l'équipe ça, il y a l'autre élu qui est là-dedans, il y a un fonctionnaire arrondissement qui est là-dedans tout. Okay. Mais ça fait partie d'orientation. Par exemple, je veux dire, je suis très fier pour me dire que deuxième plus grand parc dans Montréal, c'est dans Saint-Michel. C'est vrai. C'est le parc Frédéric Bac. Oui, on le connaît très bien. Voilà. Jodi alors, on a plongé la rue Papineau de Henri Bourassa jusqu'à l'autre bout là. Bout qui touche Saint-Michel là, l'on passe sous nous ou l'on l'autre gens. C'est-à-dire un bout qui entre Charlan et l'autoroute métropolitaine. Son bout qui transformait totalement son investissement de 40 millions de dollars qu'il fait là-dedans. Là, nous vivons dans Saint-Michel, tout, pas de grand terrain de soccer synthétique, terrain de football. Wow. Ça, c'est vrai. Je dis, ce n'est pas un ni deux qui gagnent, je dis, il y a 4 terrains de soccer synthétique qui gagnent, que nous construisons pour 6 millions. Il y a plusieurs parcs que nous réaménageons. C'est-à-dire que nous installons de nouveaux jouets pour Timon. Okay. Et nous installons des pataugeoires, des jeux d'eau
mais gagner tout, par exemple, une barrière que nous réussissons fait tout, c'est des mesures d'apaisement de circulation. Par exemple, je dis alors passer bon chaque école Makati Saint-Michel ou après nous installer dedans, nous installer des mesures pour ralentir vitesse, pour sécurité timonier. Nous passer beaucoup de chaque parc qui Makati Saint-Michel, nous fait apaisement de circulation tout. Pour ralentir vitesse parce qu'on est des fois timonier qui va courir sur dans parc là. Traverser la rue, nous faisons des mesures de ralentissement de vitesse. Tout. Mm-hmm. À côté de toute bagaille qui concerne l'infrastructure, l'arrivée dans le coin Charlan et Papineau, après le centre de soccer de Montréal, qui sont centre, un grand centre, un plateau de soccer extraordinaire, qui n'a pas quartier Saint-Michel. Ça, c'est vrai. Et des piscines, par exemple, l'arrivée dans le quartier Saint-Michel, comme conseil municipal, piscine ou des goupilles étaient fermées. Son investissement de 3 millions de dollars fait dans la piscine ou des goupilles pour nous réouvrir la piscine. À côté de ça, il y a d'autres initiatives que nous prenons avec la complicité, par exemple, de David Hurtel, qui est l'ancien député de Viau. Par exemple, le Forum du développement économique de Saint-Michel, qui sont forums côté nous fait nous réunir entrepreneurs, nous réunir citoyens, nous réunir groupes communautaires pour permettre que un élan économique à Cathy Saint-Michel. Et forum ça permet, par exemple, de plus qu'une dizaine d'entreprises qui démarrent dans Cathy Saint-Michel. Il y a à peu près un mois et demi, forum ça nous transforme en projet qui est l'Espace Saint-Michel. Espace Saint-Michel, c'est des bourses que nous baillons, des subventions pour nous baillons à des mouns qui voulaient créer une entreprise en dedans quartier Saint-Michel. Et dernièrement là, par exemple, nous avons deux entreprises qui bénéficient de bourses, deux projets. C'est des bourses de 15 000 dollars chacune. Et un des boursiers, ça y est, c'est des jeunes de la communauté haïtienne qui ont même ouvert une entreprise en dedans quartier Saint-Michel. Donc voilà, grosso modo, quelques-uns dans le projet. Et évidemment, nous avons parlé de projets culturels que nous initions tout dans le quartier. Par exemple, je dis, nous avons un bel projet qui est les Vélivres. Son projet unique, il n'a pas existé aucun côté dans Montréal, le projet ça. Seulement dans le quartier Saint-Michel. Wow. Qui ça Vélivier? Vélivre, son projet, côté nous mettait des bibliothécaires à vélo. Côté nous dit, bibliothécaires ça, il va aller dans la maison de jeunes, dans la résidence personnes âgées, dans les parcs, pour aller porter livres par les jeunes, par les grands mounions, pour aller lire ensemble avec eux. C'est des bagages importants, intéressants que vous avez tout. Ou bien, par exemple, nous gagnons tout Bibliobus. Bibliobus, c'est une camionnette qui a des livres qui étaient dans plusieurs coins de la quartier chaque semaine pour permettre aux mounions d'avoir accès à livres. Parce que, une des plus belles façons pour assurer l'intégration sociale au monde, pour permettre au monde de développer, c'est permettre au monde d'avoir accès à la culture. Mais culture au pluriel. C'est-à-dire permettre d'avoir accès à livres, permettre d'avoir accès à théâtre, à musique, à cinéma, à télévision, à la danse, etc. etc. pour permettre au monde de former tête. Donc c'est ça qui fait m'encourager tout le monde qui a écouté là-haut, les parents en particulier qui attendent, m'encourager nous, sortir, aller avec Timon dans la bibliothèque de temps en temps. Mais nous dans la bibliothèque, on est à lire. On regarde nos pièces théâtre avec on regarde un spectacle, à Chita, regarde un spectacle. Parce que nous avons la tour qui fait absolument activité. Je regarde le calendrier toujours full, surtout pendant la saison. Et son belle place. Son belle place. Oui. Très belle et place. Et en plus, c'est que PIF a la manifestation gratuite en plus. Donc, m'éviter mon nom, d'autant plus nous avons un partenariat à la ville de Montréal avec la tour. Donc, qui permettent justement, en monde de Saint-Michel, d'avoir accès à un pile spectacle à tour gratuit. Donc, qui veut dire dans ce sens-là, on croit que gagne un pile effort fait, mais gagne un pile effort bien pour faire toujours. Dans le quartier Saint-Michel, ce n'est pas fini. Non. Parce que oui, nous faisons quelques bagailles, mais gagne un pile défi toujours. Notamment, parmi les défis de gagne, nous avons des défis économiques. Par exemple, nous voulons que plus de monde dans Saint-Michel travaille. Nous avons des défis au niveau éducation. Nous voulons rehausser moyenne de qualification. Nous voulons plus jeunes gagner diplôme, soit un diplôme pour apprendre un métier, ou bien un diplôme d'éducation pour permettre d'aller dans l'étude supérieure, si c'est ça que vous voulez. Mais ça, nous voulons permettre plus de monde dans Saint-Michel réaliser rêve. Et pour réaliser rêve, il faut que l'éducation au cœur de ce projet. C'est ça, et je crois que tout le bagage que vous mentionnez, vous parlez de communauté pour gagner plus de diplômes, mais aussi, je crois que c'est un autre défi, tout, pour, surtout pour quartier Saint-Michel, là, c'est que tout chômage. Juste dans le quartier Saint-Michel, c'est un taux de chômage qui est plus élevé dans Montréal. Absolument.
Alors ça, tout son gros défi. Tu sais, on va comme ça. D'où la question, absolument, d'où question défi économique. Question défi économique là. Et c'est ça que fait, par exemple, durant la campagne là, nous te promettre, et non, c'est un engagement que nous te prenons, pour nous créer une plateforme d'embauche locale. Vous voyez, contrairement avec bon conseil de candidats, les te fait promesse, on fait que réélu. Il n'y a pas de promesse encore. Réitérer encore que son promesse, que son engagement que nous te prenons. Okay. Et si mon Dieu content, en 2019, si Dieu veut, on a commencé avec des résultats concrets, avec des actions concrètes. Wow. Et bientôt, Jen and Jen, ça va au courant de belle initiative qui va arriver dans le quartier Saint-Michel pour permettre justement, monde dans Saint-Michel, qui veut travailler, qui gagne le goût travail, travaille. Évidemment, qui dit travail, dit formation. Qui dit travail, dit éducation. Parce que quand pire job qui existait, mais il faut que nous nous qualifions. Par exemple, et l'autre, dernièrement, passé bon côté Institut Pinel, moi j'ai annoncé qu'il n'y a pas embauché moun. Mais il n'y a pas embauché moun, mais ce n'est pas n'importe qui moun y a pas embauché. Qui veut dire qu'il n'y a pas embauché des moun avec des qualifications très particulières. Je dis à taux de chômage très bas au Québec. Mais pour nous avoir une chance de participer dans le développement économique, il faut que nous répondions à la qualification. C'est vrai. Et c'est ça que fait, ça nous va apporter comme nouvelle là, nous allons essayer de répondre à tous les besoins en même temps. C'est-à-dire, question développement économique, employabilité avec question formation.